Notre organisme est constitué de cellules, 50 000 milliards de cellules. Chaque cellule est une sorte de minuscule petite brique protégée par une membrane et contenant des chromosomes. Chez les êtres humains, il y a 46 chromosomes et ces chromosomes portent des gènes qui déterminent nos caractères physiques. Là, la couleur des yeux, brun, et là, la couleur des cheveux. Alors ces chromosomes ne sont pas arrivés ici par hasard. La moitié d'entre eux provient du père, ils sont contenus dans les spermatozoïdes. L'autre moitié provient de la mère, ils sont contenus dans les ovules. Et ils se rassemblent au moment de la fécondation. Et dis donc, Jamy, ta cellule, c'est peut-être l'élément de base du monde vivant, mais elle est bien faite de quelque chose. Alors il faut quoi pour faire une cellule ? Pour faire une cellule, il faut différents matériaux, on appelle ça des éléments. Il en faut 27 sur les 92 que l'on peut rencontrer dans la nature sous forme d'atomes. Alors il faut du carbone, du phosphore, du soufre, de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène, autrement dit de l'eau. Beaucoup d'eau puisque 65% de notre organisme est constitué d'eau. Voilà. À cela, on rajoute un peu de cuivre, du fer, du zinc, du chlore et du sodium, autrement dit du sel. J'en passe. Quand on a les 27, on peut faire une cellule. Avec les cellules, on fait des tissus. Et avec les tissus, on fait des organes.